Salut gens, c'est Ki, on se trouve pour le 6ème épisode de Sky Mod. Donc on avait la dernière fois sauvé quelqu'un qui nous avait donné gentiment la griffe d'or. Et donc du coup faut toujours trouver la pierre du dragon. Et maintenant trouver le secret. Ok, bon. Et bien continuons les gens. Continuons. Ok. Bonjour. Toi tu te lèves même pas. Tu ne te réveilles pas. Voilà. Le Mexicain t'a HV, c'est beau. Ah. Attends, je te protégerai. Voilà. Ça, ils sont moches, n'empêche. C'est absolument dégueulasse. Ok, j'ai pris là. 9. 7. Un abattre. L'arc de Minecraft, je le garde. Il n'y a pas d'autres qui se lèvent là. Ouais, c'est bon. Juste en fait quelques-uns. Bon, allez, go. Go, go, go. Alors. Ok, je me suis chié. Comme ça, ça va nous améliorer le soin. Oh, et puis merde. Allez. Toi par contre t'as plus de vie. Mais tout va bien. Tout va bien. Masse d'acier épais. Oh attendez lui, s'il bouge pas. Ah ouais, y'a même le truc. Ouais, on va se le faire à l'arc et après on fait péter. Genre tac, il est pas mort, parfait. Voilà, là s'il est pas mort c'est qu'il y a un problème. Ok, il y en a un autre. Bon, on va se les faire au feu. Allez, ça améliore la magie. Voilà, meurs, mourez. Mourez. Voilà. Excellent. Oh, bouclier de fer. Je crois qu'il est mieux. Il est où mon bouclier? 24. 22. Ok, il est pas mieux. Il est pas mieux. Et mais attendez. Ben voilà. Tac. 100 mètres. 2. 3. 4. Bon après il faudra que je retienne mais bon. Et le feu 5. Donc. Capitulons. 1. 2. Ah je peux pas me le mettre dans... Ah ouais, ça par contre c'est chiant ça. 4. Et là ça marche. Bah tant pis, écoutez, mais ça fait chier quand même. Oula, il a une cape, je suppose. Il y a une espèce de fumée noire sur lui. Vas-y, Mexicain, attaque. Reste fantomatique. Ouah, il était chelou le mec. Hein. Il y en a d'autres? Il y en a pas d'autres. Ok. C'est par où? Ah ok. Wouah, ça change un peu là. Crâne de troll.
Je sais pas si vous avez vu, mais ils sont en train de développer un mode qui s'appelle Le Roi c'est moi. Bob Lennon a fait une vidéo dessus, c'était une autre chaîne, mais en tout cas c'était Bob Lennon qui commentait, il me semble. Et c'est un mode en fait où ils vont refaire une map avec des quêtes principales et tout, donc ça va être vraiment énorme. Donc dès qu'il sort celui-là, bah, je le prends direct. Oh, voilà. Et voilà, donc ça me tarde. Ça me tarde de beaucoup. C'est carrément un nouveau continent comme bord de ciel. Il fallait que je vous en parle. Oh, mais ça va, c'est plutôt simple comme, comme premier donjon. Limite, on devrait foutre la difficulté au max. Là, combien? Normal. Ok, on va laisser normal. Ah, on va d'abord aller en bas. Il me semble qu'il y a un truc. Ouais, voilà, il y a un coffre. Ça va être 4000 d'or dedans, n'est-ce pas? Ok, 4. C'est bien aussi, écoutez. 4000, 4. Moi, je la vois pas la différence. On peut pas y aller. On ne peut pas y aller. C'était par où? Est-ce que celle-là? Je suis sûr que je vais me tromper. Et je me suis pas trompé. Ouais, c'est bon. Ok. Arc. C'est le 4. D'accord, j'avais oublié. Non. Relève-toi. Pourquoi ils ont des armes fantomatiques là? Je sais pas si c'est un mode qui fait ça. Mais je vois pas lequel en fait. C'est tout. Personne d'autre. Il est où, Mexicain? Mexicain, t'es où? Ok, il est là. Sanctuaire des chutes tourmentées. Bon, on va gentiment arriver à la fin de ce donjon, je pense. On doit pas en être loin, je pense. Encore ça. Préparez-vous à vous battre. Préparez-vous à vous battre. Ok, il y a des gens derrière. Ouais. Ils sortent du tombeau. Oh, mais galère pas, l'autre est en train de mourir par l'autre truc. Ils sont où? Ok, ils sont là, vite! Tu t'en sortiras pas vivant. Voilà, on fout le KO! On fout le KO là aussi, est-ce que j'arrive à l'atteindre? Je l'ai pas eu. Waouh! C'est beau! J'y tiens mon arc de mineur. On changera au bout d'un moment, mais bon, là pour deux dégâts, je préfère l'arc de mineur. Il est plus style. C'est bon, tu t'es régène. Le pauvre, ce qu'on lui fait endurer. Oh là là. Y'a personne. Oh, elle est pour le fun, hein. Pour le fun. Vous savez faire. On est trop méchant. Allez, go 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 go. Raté. On va pas faire le fou non plus.
Ah voilà. 7 armes de loi. Donc ça au début j'avais galéré mais comme un porc pour trouver la soluce. J'avais fait mais n'importe quoi. Avec là normalement c'est pas bon. Là il y a un code à faire, faut tourner les anneaux. J'avais cherché sur les murs et tout là, tout ce qu'il y avait là, les petits symboles de merde. Et en fait c'est tout con les gens. C'est tout con. Faut regarder sur la griffe et voilà. Voilà, je crois qu'on peut même zoomer. Voilà, donc pigeon, papillon, non c'est hibou, papillon, ours. Voilà, et ça quand vous le savez pas, mais vous devenez fou. Papillon et ours. Ok, normalement, c'est bon. Voilà, c'était tout simple. C'est pas là que ça se passe, là-bas. Ok, il s'en fout. Je crois qu'il s'en fout. Là, le tombeau, il va sourire. Non? Non, y'a. Incroyable. Tu l'as dit, mec. C'est incroyable. Regardez, c'est incroyable. Et ça aussi, c'est incroyable. Quoi? Force déferlement. Attendez, faut le mettre quand même. Ah oui, c'est vrai. On peut pas encore. On peut pas. Et bonjour toi. Ok. Ok, ok, ok. Ok, il était tout simple. Moi qui pensais galérer, mais pas du tout. Hein, hein. Pierre de dragon. Et voilà. Et normalement, elle est mieux quand même. 20. 22. Ouais mais elle enchante donc je vais me la mettre. Voilà. Ok. Alors, on va prendre tout ce qu'il y a. Du poison. Je pense que je vais le vendre le poison. Parce que c'est pas que j'en mets jamais mais. Bâton. Oh. Pour le désenchant ça, ça vaut le coup. Alors, c'est quoi que j'ai vu ça? Pas le fait, pas le fait, nous avons fini le dungeon. Et normalement, on devrait trouver une sortie. Je dis bien normalement. Mmh. Ok. Et voilà. C'est Lost Isle. Et si je ne me trompe pas, on devrait revenir quelque part vers le début. Ah ben voilà. Voilà, voilà. Oh, un poney. Ah non, c'est pas un poney. Bon. Il est mignon quand même. Wouah. Donc, on a tout fini. Porter la pierre dragon à fin de guerre. Trouver le propriétaire de la griffe d'or. Vite fait, on va faire ça. Où est-ce que c'est? D'accord. On le sait pas. On le sait pas. Ben tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Hein. Ok. Déplacement rapide vers Fort Dragon. Donc on va ramener la pierre du dragon à l'autre bisu là. Le mage du Jarl. Ah. Ah là 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 là. Donc nouveau mode, c'est les banques dans les villes. Je sais pas que c'était à elle qu'il fallait parler. Donc dans la description, alors. Vous devez faire un choix par les options. L'aide de change, convertir votre or en aide de change. Pour améliorer l'économie, effectuer un prêt. Bon, on va tester. Investissement.
locaux arrivés à maturité. What the fuck? Attendez, statut inactif en cours arrivé à maturité 0, 0, 0. Bon, on va faire bas. Vous avez choisi de commencer un investissement à risque faible. Il vous sera demandé de choisir le montant, je sera duré, confirmer vos choix. C'est un minimum. Et j'ai mis bas. Et je les ai pas, moi, les 5000. Oui. J'ai combien? J'ai que 600. Madame! Bon, c'est quoi ça? Alors, retirer, convertir vos lettres. Mais c'est quoi vos lettres? Oui. Lettre d'échange 100 centimes. À jour. On va pas faire de prêt. On va devenir fauché. Livre. C'est où les lettres? C'est quoi des lettres de change? J'ai la description du mode, mais ils en parlaient pas. Je sais juste que ça pourrait nous rapporter beaucoup d'argent si on investit. D'accord. 100 septimes. En gros, c'est l'argent qu'on dépose. Et on a ça pour le retirer si on veut. Je crois que c'est ça. Hein. C'est bizarre. C'est très, 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 très bizarre. À tout hasard, s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à expliquer. Mais ben voilà. Je sais pas où est-ce qu'elle est d'habitude. Je pense qu'on l'a croisée par hasard. Bon. Je pense qu'on apprendra un peu plus sur le mode plus tard. Où je ferai des recherches, on verra. On verra, nous avons le time. Donc on va rendre la pierre de dragon hommage. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Vous voyez, la terminologie correspond clairement à l'ère première. Occupez-vous de vos oignons. Oui, je t'ai coupé la parole, rien à battre. Tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Et ma récompense. Plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, à Venici. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes, et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon? Comme c'est grisant. Attendez, elle est où Que faisait-il? À votre place. Laissez-moi tranquille. D'accord. Plutôt sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Un dragon pas loin. Ça commence à devenir intéressant tout ça. Rillette me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de Gay? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarade. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Le mais truc je qui n'ai veut pas rien dire, le quoi. Service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Venici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Ah, ben voilà. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Attends, qu'est-ce que tu vas faire?
Bouclier de fer, résistance à magie. 22, 24. C'est de la merde. Mais bon, on va le prendre. Beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Eh, dis pas non. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. J'aime bien quand il parle de loin. Bon. Alors apparemment je serai expérimenté parce que j'aurais survécu au dragon, donc je suis apte à le tuer. C'est ça qu'ils disent. Bon, les gens. Retrouvez Eriette près de la tour de Gay West. Ok, donc le prochain épisode va être seulement Valé Bueno, parce que nous allons voir un dragon. Je pense que vous l'avez compris. Et en attendant, on va se quitter pour cet épisode là. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher de liker, de commenter. Et on se retrouvera pour l'épisode 7, c'est ça? Ouais, peut-être. Bon, à plus les gens.